Première bordée de neige à Montréal et un peu partout chez nous. Un temps idéal pour le hockey. Bon match, mesdames, messieurs. Bienvenue à la trentaine. Une feinte et une autre. Il garde la rondelle. Wennberg passe, qui dévie, mais atteint la cible. Bjorkstrand remet ensuite vers Dubois. Tire sur réception. Et Carey Price était prêt. C'est un bel arrêt de Carey Price. Et Atkinson remet vers Jenner. Tire d'Anderson. C'est bloqué par Price. Jones, Atkinson, le tir. Price fait l'arrêt encore. C'est Nash qui retourne le disque à Werenski. Ensuite à Seth Jones, une feinte. Jones derrière à Werenski. Son tir bloqué par Price. Le retour revient pour le but. Eh bien, on a vu d'abord Bemstrom et ensuite celui dont tu as parlé, Eric Robinson. C'est son premier dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale de hockey pour Eric Robinson, positionné devant le filet. Il va profiter du travail de récupération de rondelles des Blue Jackets. Après le tir de Werenski, on était incapable de libérer le territoire. Bemstrom le repère dans l'enclave. Enfile l'aiguille entre les jambières du gardien du Canadien. Revient devant son filet. Le bâton est complètement à sa droite. La contre-attaque. L'arbitre lève le bras. Et le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'on entende le sifflet. Et c'est finalement Jenner qui perd. Et ce sera repris par Jones. La passe vers Anderson. Il est arrêté par Weber. Gallagher. Ça va! Mettez, transition rapide, Gallagher est fin seul, c'est un tir d'une bonne distance qui n'a jamais dévié, qui trompe la vigilance de Merzlikins entre les jambières du... Et voilà Paul Byron qui remet à Yoel Armia, vers Domi, devant le filet, et la rondelle va dévier finalement vers la droite. À la période, Wennberg devant Dano l'emporte, le Canadien... Avec 57%, OK, la red price sur le tir de Wennberg. J'ai gagné du temps, on complétait, on voulait apporter des changements du côté de Montréal. Voilà la contre-attaque de Riley Nash. La passe revient finalement à Werenski qui s'avance. Voilà le tir et le but! Zach Werenski. Et là, ça a été un changement lent chez le Canadien. Et tu as parlé de ce joueur exceptionnel. Werenski, mais regardez bien, Tatar a raté cette rondelle, mais là, immobile, se fait contourner facilement par Werenski. Passage synchronisé de Riley Nash. Price a potentiellement été quelque peu déporté. Tire dans la partie supérieure, précis de la part de Werenski. Et Boone Jenner a toute une mission devant lui. Dano l'emporte. Et voilà Weber qui remet derrière à Suzuki. Il retarde son jeu. Cherche une petite ouverture. Reprend des mains de Dano. La passe de Zé! Eh bien, quel revirement et quel scénario! Déjà prévu un temps d'arrêt et Kirk Muller avait le tableau dans les mains. C'est pas grave si on n'a pas nos meilleurs éléments. La quintette des Blue Jackets est à bout de souffle. La ligne de passe transversale s'est ouverte parce que les joueurs sont à bout de souffle. Il arrive une fatigue mentale. Même Werenski et Jones ne peuvent parer la ligne de passe. Jeu complété par Tatar. Alors voilà, c'est parti en prolongation. Claude Julien revient avec le trio qu'il adore en pareille circonstance. Domi, Byron, Petrie. C'est le trio qui lui a donné le but gagnant à Vegas. C'est le trio qui lui donne des victoires. Et voilà encore Byron dans le coin. Byron veut remettre vers le devant du filet. C'est intercepté par les Blue Jackets. Et après avoir réussi à combattre... À l'annonce de Michel Lacroix, Paul Byron qui s'amène devant Merzlikins. Byron tire! Oh, quel arrêt du gardien! Il a choisi la mitaine, Marc. Amené vers Merzlikins. Drouin. La fête! Le revers entre les jambières. Long déplacement latéral. Et lorsque l'ouverture est là entre les jambières. Son entraîneur. Voilà Cousins devant Merzlikins. La fête, le tir! L'arrêt de Merzlikins. Le match appartient aussi à Carey Price. Voilà Bjorkstrand. Quelques détours. Ça mène devant Price. Tire! Price! Et le Canadien arrache la victoire aux Blue Jackets!
ou d'une planification avec les meilleurs éléments sur la glace. Price a été excellent, lui apposant une partie de sa signature en première période. Et vous avez vu, c'est rare qu'on voit Price avec des manifestations de joie de la sorte.